terre brûlée. Colore la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nu dans un lac du Connemara. Chef Kelly s'est dit, je suis catholique, Marine aussi, l'église en granit de Limerick. Marine a dit oui. Et le skipper arrive avec Connolly et les Galway. Ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Et il y avait les Connors, les hauts Connolly, les Flaherty, les Ringapuri et le Quavoir, trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le triste silence. Là-bas, on dit que la vie c'est une folie, mais que la folie ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme du pluie et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager, certains sont été replongés pour l'éternité. On y voit aussi des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre.